Bring me out. Come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Bring me out from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end I'm realizing I was never meant to fight on my own. Eh bien salut tout le monde, c'est Mestomi 160. Aujourd'hui, on se retrouve sur, tout simplement, le concept Mesto versus les abonnés. Voilà, j'ai décidé de faire Mesto versus les abonnés 2.0, on va dire vraiment le remettre au goût du jour avec les règles tout parfait. Alors, tout simplement, au départ, ça sera 3 manches. On est le premier à 3 manches entre vous et moi. Voilà, ça sera 1. Voilà, on jouera à n'importe quel jeu, ça dépendra le jeu que je choisirai. Je ferai un petit sondage sur Twitter. Et donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, c'est le plus important. Voilà, donc faut vraiment me suivre sur Twitter. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera déjà en manche de 3, le premier à 3 manches. Ensuite, ça sera quoi? Tout simplement, on prendra des persos pas aléatoires. Vous prenez vos persos, je prends mes persos. Là, il n'y a pas de souci. Tout simplement, si je perds tout simplement ce... Voilà, si je perds tout simplement contre l'abonné en question, vous avez le droit de me donner un gage. Voilà, un gage, un gag que je mettrai en fin de vidéo, bien évidemment. Je le ferai et vous mettrai en fin de vidéo directement. Il y aura plusieurs saisons de Mesto versus les abonnés. Là, ça sera à peu près la première saison, donc un peu le concept qui sera au nouveau. Donc voilà, là, ça sera un système de gage avec vous. Et donc, du coup, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Déjà ça. Et si je gagne, tout simplement, j'aurai un joker pour le prochain épisode. Voilà. J'aurai un petit joker à chaque fois que je gagne. Voilà, chaque joker, je pourrais utiliser, par exemple, vous dire, non, tu n'as pas le droit de prendre... Parce que si je vous dis, je vous donne un gage, vous n'allez pas pouvoir le faire. À moins que vous le faites. Mais je sais que vous êtes beaucoup d'enfants sur la chaîne, donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais si je perds, vous me donnez un petit gage, et je pense que ça peut être drôle. Donc comme j'ai dit, si je gagne, j'aurai un joker, donc ça dépendra du joker. Voilà, et ça sera dit en fin de vidéo, quel joker vous voulez que j'ai. Voilà, ça sera tout simplement vous qui choisirez mon joker pour le prochain épisode de Mesto versus les abonnés. Ce sera vous qui les choisirez, et le jeu aussi en question. Pour le premier épisode, c'est moi qui vais choisir, comme les Mesto versus Mesto l'invincible. Sauf que là, ça sera contre vous. J'espère que ça va vous plaire. On fera en sorte d'améliorer le concept avec vous, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire quelques idées que vous avez par la tête. Hein, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre un miracle pouce bleu aussi si vous voulez voir ce concept le plus rapidement possible. J'ai dit que je le lancerai en janvier. C'est chose faite, hein, je vais commencer à faire un sondage sur Twitter. Donc, faut vraiment me rejoindre sur Twitter, les potes. Donc, le lien dans la description. Voilà, lien dans la description. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Je verrai si je ferai un petit peu les sondages sur d'autres réseaux sociaux ou même sur YouTube, sur le truc, l'onglet communauté. Pourquoi pas, ça serait sympathique de faire sur l'onglet communauté. Ça serait cool de le faire sur l'onglet communauté. Donc voilà, tout simplement, voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Tout simplement un petit peu remanier le concept un peu à ma manière et bien mieux. La précédente vidéo, vous pouvez aller la voir. J'avais écrit le texte, les règles et tout ça. Sauf que je trouvais que les règles étaient pas assez fluides. Je veux dire, voilà, là il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de truc marrant. Il y avait juste, voilà, on se fightait et le premier qui gagnait, voilà, c'était le premier qui gagnait. On se lançait ce concept directement avec Jump Force. S'il y a les invitations, Jump Force, je lancerai avec ça. Donc voilà, ça serait cool. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Ça me ferait plaisir. On se retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain live et encore une fois pour la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.